On est à une semaine du corsaire historique de Fally Ipupa. Jusque-là, les choses sont encore ambiguës du côté du combattant. Mais côté Fally Ipupa, les choses se voient claires, les choses s'annoncent bien. Lui, il est toujours serein. Il sait qu'il va jouer son concert le 25 novembre, semaine prochaine. Les combattants, malheureusement, ils sont divisés. Il y a les combattants qui commencent déjà à dire à Fally de les appeler. Ça fait cloche. Et il y a d'autres combattants qui disent que laisser les musiciens faire leur métier. Moi, je suis au milieu. Je suis pour le concert. Et également, quand je vois ce qui se passe au Congo, ça me fait mal de voir que Bounagana est tombé. Je ne sais pas, Ben, je ne sais pas où Goma, Léodi, les militaires sont vraiment à la porte de la ville. Et nous, les Congolais, nous sommes là pour nous trémousser au lieu de nous focaliser sur ce qui se passe au Congo. Et puis quand je vois la majorité des youtubeurs congolais, des analystes congolais, majorité sont focalisés sur les événements musicaux. Les gens qui parlent de la politique congolaise, de la vie congolaise, c'est peut-être 10% de tous les youtubeurs. Alors ça devient compliqué. Les Congolais qui crient toujours que nous sommes menacés, nous sommes agressés. Mais c'est eux-mêmes qui sont prêts à abandonner leur pays au profit de la musique. Les Congolais, il y a les Ivoiriens, les Guinéens qui parlent du Congo, qui ne comprennent même pas qui est vrai Congolais. Puisque tous les Congolais, quand je dis 90%, je dis vraiment avec précision. 90% des Congolais qui sont sur les réseaux sociaux, ils ne parlent que de futilité. Les femmes parlent que du sexe, comment ouvrir les jambes, comment faire l'amour, comment exciter l'homme pendant que le pays est à guerre. Les gens qui parlent de cela, leur pays est à paix. Ils ont déjà régularisé tout. Vous allez voir à Côte d'Ivoire, il y a la paix. Ils parlent de n'importe quoi. Lolo Mboté va venir avec des bêtises. Parce que ils ont déjà dépassé les niveaux de la guerre. Nous là, on se bat chaque jour. La politique congolaise est vraiment en désordre, mais tout le monde est focalisé vers la musique. La musique qui n'est même pas qui ne va rien donner aux Congolais, c'est la musique qui va faire vraiment plaisir à une seule personne. Mais c'est tout un pays qui est divisé juste à cause de la musique. Nous avons les gens comme les Boketsu Wayambo, Odombo, Commandant Esso et tous ces gens-là. Je ne pense pas que quand ils disent pas de musique, ils le disent juste parce qu'ils n'aiment pas Fally Ipupa. C'est juste pour nous tirer l'attention vers ce qui se passe au Congo. Ils veulent seulement qu'on puisse pensez à ce qui se passe au Congo. Nos familles, nos frères, nos sœurs, nos mamans, nos grands-mamans sont en train de souffrir au Congo pendant que les gens qui sont en Europe ici, les gens qui sont en Europe, les Congolais de l'Europe, ils sont là pour danser. Ils ne sont que là pour danser pendant que leurs propres familles sont en train de mourir au Congo. Ça, c'est le message que Odombo est en train d'envoyer. Magali Lomama, Commandant Esso et tout ce monde-là, ils sont en train d'envoyer les messages, un cri d'alarme à tous les Congolais de regarder d'abord ce qui se passe au Congo. Je pense que ces gens-là, un jour, on va plaire ces gens-là. Ces gens-là ont tout fait pour ouvrir nos yeux, pour qu'on puisse parler de ce qui se passe au Congo. Mais il n'y a personne, nous sommes tous derrière des futilités. Derrière les futilités. Quand quelqu'un vous sait que, en parlant sur les affaires de la musique, on va les payer sur YouTube, lui se focalise sur ça. Et puis tout le monde est devenu maintenant chroniqueur de la musique.
Même les gens qui ne connaissent même pas la vraie musique, c'est eux qui sont devenus des chroniqueurs de la musique. Aujourd'hui, regardez ce qui se passe maintenant. Fally, il vient avec toute une sécurité vraiment à assurer plus de 20 personnes. Il veut montrer au monde que lui, il est l'homme fort. Et quand il décide, il fait ce qu'il veut. Fally, il est en train de défier tous les combattants. La fois passée, on a vu les combattants d'Angleterre qui ont tout fait pour que Werrason ne joue pas en Angleterre. Et Werrason s'est plié à leur volonté et il n'a pas joué. Mais quand ça devient Fally Ipupa, il y a les combattants qui sont les combattants corrompus. Il y a les combattants qui sont là pour Fally et non pour tous les musiciens. Et il y a les combattants qui sont pour tout, qui ne sont pas pour tous les musiciens. Donc c'est compliqué, c'est compliqué. Fally a joué les 20, au mois de février, je pense les 28. Les combattants se sont battus, mais Fally a joué. Maintenant, quand vous dites Fally a benga bino, que Fally vous appelle, il va vous appeler pour vous dire quoi? Pendant que lui, il est capable de jouer, il est capable de jouer. Vous voulez dire que s'il fallait jouer, vous direz c'est parce qu'il vous avait appelé. Mais pendant que le temps où il ne vous avait pas appelé, il avait joué. Qu'est-ce qui prouve qu'aujourd'hui, même s'il ne vous avait, il ne vous appelait pas, qu'il ne va pas jouer? Fally, que vous le voulez ou pas, moi je sais qu'il va jouer. Mais je suis contre les concerts. Mais il a un soutien de sécurité. S'il est, par exemple, il a une sécurité de 30 personnes. Si les combattants veulent arriver, par exemple, à 200, là, quand même, on peut dire oui, il y aura un tiraillement. Mais les combattants qu'on voit, il y a presque 6 combattants qui passent chaque jour. Ça montre que il y a des combattants qui ont déjà abandonné le combat. Les combattants qui sont restés, je ne sais pas s'ils sont nombreux, sont peu. C'est une poignée vraiment de combattants. Moi, je crois à la résistance. Je crois aux combattants. Je sais que il y a des combattants qui ne parlent pas. Ils sont là seulement en train de regarder. Tout en espérant qu'ils vont bouleverser la situation au dernier jour. Puisque le Congo va mal. Pour le moment, moi, en tant que Congolais, je ne vois même pas pourquoi je vais aller chanter, trémousser, sauter pendant que mes miens sont en train de mourir au Congo. Et on le sait bien. Tout le monde dit, laissez Fally, je fais son travail. Laissez Fally, je fais son travail. Oui. Est-ce que Fally lui-même n'a pas un cœur de voir que le Congo va mal? Est-ce que Fally n'a même pas un cœur de voir que, en tout cas, au moment où je fais la vidéo, je fais le concert ici, le Congo va très mal. Tant que 2 semaines avant, ça allait, c'était mieux. Mais aujourd'hui, là, au moment où je fais la vidéo ici, la situation au Congo, ça devient de plus en plus trop critique. S'il y a moyen, Fally, moi, je ne suis pas contre toi. Mais regarde depuis ce qui se passe au Congo. Pour créer la paix ici en Occident, puisque au risque de perdre encore peut-être 2 personnes dans votre concert, évitons les sangs qu'on fallait pour pas. S'il y a des tiraillements comme ça, fallait zoata na yo d'accepter aussi de te rabaisser. On sait que tu es grand, fallait tu peux jouer tout, tu peux jouer partout, on te connaît. Tu as un soutien, c'est pas compliqué. Mais quand même, au nom de votre pays, au nom de votre du peuple congolais qui souffre, qui meurt aujourd'hui, essaie de reculer. Fally, essaie de reculer. Les gens meurent. Au Congo, les gens meurent. Essaie de reculer. Ça ne te fera rien. Tu resteras toujours Fally. Peut-être que tu auras plus d'honneur que des honneurs. Fally, ce qui obéit à toi, Koufi, ça sera catastrophe pour toi. Et que vous allez bien te. Souviens-toi dans ma cambouille à Bercy. Les lots ont même tous qui sont dans la même situation de source. Confrontation, Fally, confrontation, ce n'est pas bon. On sait que tu fais bien, tu chantes bien. Mais
Aujourd'hui, tu as un problème, il y a guerre au Congo. Fali Popa. Nga na sala ka moi vidéo ka ya seconde essentiel que le message soit là.